Voilà, c'est toujours moi de Sam Hospital. Si vous avez vu l'écran, donc c'est propre. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais juste, comment on appelle ça, je voulais juste répondre à certaines questions qui me viennent beaucoup par WhatsApp et tout ça. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner et puis sachez que si on donne des informations sur tous les types de bourses. Voilà. Donc, sachez que ici, on donne des informations sur les types de bourses et puis vous indiquez un peu comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir faire quoi, pouvoir faire le remplissage. Et on répond à toutes les questions sur les études en Russie. Voilà, donc, si vous venez juste de vous abonner, si vous venez juste de voir ma tête, de voir la vidéo, alors, juste abonnez-vous ou bien likez, donnez-moi un commentaire si ça vous plaît, si ça vous a plu ou pas, donnez-moi un commentaire et puis... Voilà, merci. Maintenant, je voulais répondre à des questions. Voilà, donc ces questions me reviennent un peu plus fréquemment. Voilà, donc je répète, pour tous ceux qui ont accepté de faire les études en ligne, c'est-à-dire de faire les cours de langue à distance, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, d'autres disent que c'est un peu plus cher et tout ça, mais c'est comme ça. Ils ne vont pas changer. Les cours ici en direct et les cours en ligne, ça veut dire quoi, les coûts, quand vous venez de façon physique, les coûts en ligne ne vont pas changer, c'est la même somme. Vous comprenez, c'est la même somme. Parfois même, peut-être que les coûts en ligne, même, c'est un peu plus cher. Vous comprenez un peu. Dans les normes, les coûts en ligne doivent être moins chers. Mais avec eux, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais les coûts en ligne sont un peu plus chers. Il y a d'autres qui m'écrivent, qui me disent que les coûts en ligne sont un peu plus chers et tout ça. Voilà, donc si ça vous arrange, si ça ne vous arrange pas, vous pouvez arrêter, vous pouvez comme vous voulez. Voilà. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est quoi? Et puis pour les coûts en ligne aussi, ils vont pas accepter ce que vous envoyez un peu et puis après vous envoyez un peu, non. Ils vont demander à ce que vous envoyez tout. Parce qu'en année de langue, on paye tout. On ne paye pas un peu, après un peu, non. Donc, ils vont vous demander d'envoyer tout. Votre scolarité, vous devez tout solder. Maintenant, en ce qui concerne la question, j'ai reçu des questions en ce qui concerne comment est-ce que après l'année de langue, il y a des personnes qui m'ont écrit, après l'année de langue, est-ce qu'ils peuvent rester pour faire du business? Donc, ce que je dis, c'est pour tout le monde. Sachez que tout est possible. Tout est possible, mais lorsque vous venez ici en Russie, vous avez un visa étudiant. Donc, si vous avez un visa étudiant, vous devez étudier. Voilà. Donc, si l'année de langue finit et que vous n'êtes pas inscrit dans une université pour commencer une autre année, vous ne pouvez pas avoir un autre type de visa et vous ne pouvez pas avoir de visa. Parce que ici, les visas sont octroyés chaque année. C'est-à-dire que l'université qui vous reçoit vous donne le visa. Si vous n'avez pas une université, ça c'est ceux qui ont des visas étudiants. Si vous n'avez pas une université, vous serez obligé de retourner. Dans le cas contraire, si vous ne retournez pas, alors vous devenez un clandestin. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, je reprends. Si vous devez venir apprendre ici, là-bas, comment on appelle ça, votre ambassade chez vous, l'ambassade de la Russie dans votre pays, va vous donner un visa étudiant. Et là-bas, le visa, c'est 3 mois. Quand on vous donne le visa là-bas chez vous, au pays, c'est 3 mois. C'est arrivé ici que l'université prolonge à 1 an. Et chaque année, vous devez faire quoi? Ils ont dit 1 an pour que vous puissiez faire quoi? Vous puissiez renouveler chaque année dans l'université. Et ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si vous finissez l'université, l'année de langue, et que vous n'avez pas postulé dans une autre université, et que vous voulez rester dans l'université, vous allez d'abord payer votre scolarité avant que l'université ne fasse quoi? Ne prolonge votre visa, la date du visa. Donc c'est un peu ça, c'est la technique qu'elle a. Donc tant que vous ne payez pas, vous ne pouvez pas prolonger votre visa. Donc c'est ça. Alors si vous venez et que vous restez ici, si vous voulez venir, vous voulez venir rester ici pour des business, vous devez faire quoi? Vous devez
vous ne devez pas avoir de visa étudiant. Et la seule technique pour les gens qui connaissent, voilà, donc ça c'est pour les gens qui connaissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit, si vous êtes une fille, peut-être que vous vous faites enceinte ici. Bon, je ne dirais pas enceinte. Peut-être que vous vous faites engrosser ici. C'est la même chose. Vous vous faites enceinte ici. Si vous êtes enceinte ici d'un étudiant russe, peut-être, voilà, vous pouvez avoir des documents, vous pouvez aller dans des administrations et puis renouveler pour faire des demandes pour pouvoir rester. Ou bien vous êtes marié. Donc, le truc qui est essentiel, c'est quoi? Vous avez votre enfant et vous êtes marié à un russe. Voilà. Et c'est le même cas pour des garçons. Si vous êtes marié et voilà, et vous avez un enfant russe, là, pour avoir les papiers, pour avoir les documents russes, et pour que on puisse penser changer votre passeport étudiant à un passeport d'étudiant permanent, d'une personne permanente ici en Russie, ça peut être possible. Mais pour dire que vous êtes étudiant étranger, vous allez venir, vous allez faire l'année de langue. Quand une fois que vous finissez, vous ne faites plus, vous ne partez plus à l'école et puis vous faites votre business, c'est pas possible. Ça, je peux vous garantir que c'est pas possible. Ça sera possible si vous faites pour avoir une nationalité ici, pour avoir une nationalité russe, vous devez faire d'abord 5 ans sur le territoire. Et les 5 ans même sur le territoire, il faudrait que votre université soit vraiment attachée à cela. C'est-à-dire que une fois que vous voulez vraiment prendre la nationalité russe, vous allez au Международный, c'est l'administration des étudiants étrangers. Vous leur dites ça, eux-mêmes vont vous appeler aussi pour vous demander si vous voulez ça. Et si vous voulez vraiment, ils vont vous suivre de près. Ça dit quoi? Ça dit que ils vont essayer à chaque année que vous avancez, une fois que les 5 ans arrivent, c'est eux-mêmes qui vont faire les documents.